Bonjour tout le monde et bienvenue au pays du Père Noël. Comme vous avez pu le voir, je suis dans un monde enneigé, un nouveau monde qui sera, comment dire, le lieu de ma nouvelle série qui durera environ une quinzaine d'épisodes sur le thème de Noël. Oui, parce que nous entrons actuellement dans une période noélique, c'est-à-dire c'est les vacances de Noël, et j'ai plus le temps de faire des vidéos. Et Timos n'est pas avec moi sur cette série, tout simplement parce qu'il n'est pas chez lui, pour des raisons quelconques. Donc, si jamais vous voyez que mon monde est enneigé, c'est parce que j'ai pris un texture pack spécial. Je remercie d'ailleurs le créateur. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais vous montrer. Hein. Mince. Bah voilà. Winter Wonderland 1.craft by Defined. Je ne sais pas trop. Bon, mon monde, je l'appelais Noël. Et si jamais vous voulez le même terrain que moi, voilà le seed. Voilà. Donc j'espère que cette série va vous plaire parce que moi je vais passer beaucoup de temps dessus. Enfin, beaucoup de temps. Toutes mes vacances de Noël. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Et donc je ne pouvais pas continuer le retour du cube. C'est pour ça que j'ai fait cette série. Blablabla. Hop, donc vous voyez, c'est tout enneigé, c'est joli. Moi j'aime bien. J'aime bien. Les objectifs principaux de la série, je n'en ai pas trop. Déjà, j'aimerais me faire un petit chalet. Un petit chalet, je disais. Que je vais baisser le son aussi parce qu'il est un peu fort. Et excusez-moi si jamais vous voyez que j'ai une voix un peu enrouée, je suis tombé un peu malade. Voilà, ça arrive, c'est des choses imprévisibles dans le monde de YouTube, être malade. Et c'est très chiant. Aussi, je ressors d'un petit stage de 3e, donc ça fait environ déjà une semaine que je suis en vacances comparé à vous. Et oui, j'ai la chance. Donc niveau infographie, maintenant je sais un peu plus me débrouiller parce que j'étais chez Alpha. Donc petit coucou à l'équipe de Alpha, de PAO. Franchement, j'ai passé un super stage, mais vous voulez voir. Ils ont leur propre site internet, vous tapez Alpha Imprimerie. Ils font toutes sortes de choses, ils font des sites web, des publicités. Je suis très friand de tout ça. Donc je récupère de la cobble pour ceux qui ne le savent pas, pour pouvoir me faire une hache en pierre qui est beaucoup plus... excusez-moi, je mets mon timer. Démarrer. Voilà. 15 minutes pour faire la vidéo. Les épisodes dureront environ 16 minutes. Bon, encore. La musique est trop forte. Tout est trop fort aujourd'hui. Moi aussi, hein, je suis trop fort. Ah, oh, elle est jolie la cobble. Franchement... Même si ça fait pas trop naturel, j'aime bien. Bon, j'ai pas pris mon gros texture pack HD 528, machin truc. Mince. Qui a été fait par. Comment il s'appelle déjà? Pur BD Craft, voilà, c'est ce texture pack. Peut-être qu'un épisode je ferai avec. Parce que lui, il est franchement purement noélique. Les tableaux, c'est. C'est du Papa Noël, Pipi Noël. Franchement, on est en plein dans Papa Noël là. Papa Noël, on va le voir souvent dans cette série. Et au dernier épisode, je compte vous faire une petite surprise. Je vous dis pas quoi, mais ça va être une bonne surprise. Et moi, j'aime les surprises. Donc j'espère que vous l'apprécierez aussi, cette surprise. Donc c'est raison de plus pour suivre cette série. Hein. Sans objectifs principaux, comme je le disais. Je me récupère du bois. Qu'est-ce que je vais commencer par faire? Le diamant, j'en aurais pas trop besoin. Je sais pas si j'irai dans le Nether ou autre. J'ai pas vu beaucoup de mobs. J'ai cru entendre des soufflements, des soupirements de vaches. Pardon. Je me trompe dans mon latin. C'est bien dommage. Et puis j'ai cru apercevoir aussi un petit trou tout à l'heure. 31 bûches, ça me fait environ 2 stacks. 2 stacks de bois. Oui, je suis fort en maths.
Je pose de la bouse parce que j'aime pas avoir des arbres à moitié finis. Voilà. Comme ça, c'est beau, c'est propre, c'est magique. Et comme vous pouvez le voir là-bas, même les arbres de la jungle sont enneigés. Donc je crois que je pourrais même aller dans la jungle. Ça ne gênera pas la série. Parce que moi, au début, je me suis dit, cette série, ça va être chiant parce que je vais le faire entièrement dans le biome neige. Et le biome neige, c'est pas très pratique. Il n'y a pas d'oslo, il y a... Enfin si, il y a des loups, mais il y a certains trucs qui sont pas... Bon, cool, je viens de voir qu'il y a des vaches, donc c'est un bon avantage, ça. Comme ça, on aura du cuir et de la bouffe en même temps, comme ça... Enfin bref, comme ça, c'est bien. C'est de la balle, la bombe de balle, la bim de boum. Hop, 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 paf! Donc ensuite, on va partir miner, parce que je vois qu'il fait nuit. Il fait nuit gris, quoi. On va buter la vache, une ou deux déjà, ce sera pas mal, sans essayer, en essayant de ne pas faire disparaître l'espèce. Ouh, tout ce qu'elle loot. Je suis en 1.4.5, je crois qu'au cours de la série, il y aura la 1.6 qui va sortir, ou même je crois qu'elle est déjà sortie et que j'ai eu la flemme de l'installer. Je crois que c'est plutôt ça. Hein. Est-ce que je vous raconte ma vie? Oui, je vous raconte ma vie. Je vais changer de processeur pour Noël, donc mes vidéos. Ouf. Il y aura une grosse mine pas loin, seront de meilleure qualité avec de meilleurs graphismes normalement. Je vais avoir pour les petits curieux un processeur FX 4100 avec 8 huîtres. Bon, je sais que c'est la période de Noël, mais jusqu'à dire le mot huître quand même. Je fais fort. Oh, c'est joli, c'est tout rose. Ça, c'est moi qui ai rajouté cet effet. Il n'y est pas dans le texture pack d'origine. Oui, parce que Etimos m'a appris à patcher, enfin à modifier un pack de texture normale. Ce qui est bon à savoir et c'est très facile à faire. Bon, je me fais une petite base très provisoire ici. J'ai pas de charbon, c'est la merde. Merde. Mince, pardon. Faut que j'arrête de dire des gros mots parce que bientôt ça va être censuré sur YouTube. Enfin, je crois. Puis je crois aussi que sur YouTube, les j'aime et autres notifications vont être désactivées. J'ai entendu ça par je ne sais plus qui ou je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, c'est sûr. Oh, ma barre de faim descend très vite alors que je suis en normal. Bizarre. Voilà. J'aimerais bien me faire. C'est dans quel sens déjà? C'est ça, plus ça. Plus ça plutôt. Hein. Voilà. Et je vais me faire des torches. Mince, c'était quoi déjà le truc d'optimisation des Teemos? Je crois que les mobs ils tombent ici et ils ne peuvent pas nous taper. On fait comment déjà? Voilà, comme ça les mobs ils tombent. Oh, c'est déjà fini. Et voilà. Il n'y a personne qui nous fera chier, peut-être à part. Non, même pas les araignées parce qu'elles font 2 d'épaisseur. D'après Fanta. Donc opération minage, hein. Franchement, je vous l'avoue, cet épisode va pas être très convaincant. Mais comme dans tous les jeux vidéo, il faut un début pour commencer. Un début pour commencer, cette phrase est très poétique et ne veut rien dire. On va déjà agrandir de là. Mince! Ah, j'aurais pas dû casser ce bloc. C'était ma souris qui était bloquée. Vilaine souris, vilaine! Tu te feras bouffer par le chat tout à l'heure. Bon, normalement, ça gênera pas. Je vais le... Ouais, si, c'est gênant esthétiquement, mais bon, on s'en fout quand même. C'est ma base, mais voilà. Donc, j'utilise aucun mod pour ceux qui viennent de rejoindre la vidéo qui l'ont avancé. C'est un pack de textures qui rajoute. Qui frigorifie tout l'univers de Minecraft. Voilà, c'est dit. C'est frais, et c'est bien avoué. Pour l'instant, j'ai besoin de rien déposer. Enfin, c'est peut-être ça. Mais je ne sais pas vous, mais c'est parti pour miner. On va se mettre par ici. Et c'est parti pour une folle aventure. Trollol. Au fait, la musique. Aussi la musique que j'ai faite. Enfin, que j'ai faite, que j'ai prise, que j'ai utilisée dans mon montage. Mince, minage optimisé, c'est pas le mieux qu'il me faut. Je crois que vaut mieux quand même aller dans d'autres grottes parce que c'est. Je vais peut-être mourir. Mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai pris mon bois? Non, je l'ai déposé, je crois. Ouais. Grosse boulette. Hop, je vais m'en faire. Comme ça, quand je récupérerai du charbon, je pourrai directement me faire des torches.
12 x 4, je ne sais pas combien ça fait. Ça m'est bien égal, on verra bien quand on pourra crafter. J'ai plus de nourriture. Merde. Ouais, big fuck là. Big fuck. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon. Bonbons, mangeons des bonbons. Astuce lennonienne. Comment gaspiller, enfin non pas gaspiller, justement économiser du bois. Mettez des pousses d'arbres, ça ira tout seul. En plus, vous pouvez même mettre des pioches. Voilà, parce que j'ai une bonne grosse dalle là, mais genre la bonne grosse dalle. Viens à moi, petit steak. Ouais. Ouf, en plus on aura une bonne saturation. Je vais voir dehors si c'est dégagé. Façon de parler. Je crois qu'aussi les mobs ont des bonnets. Bonnet de Noël, voilà, Creeper. Coucou Creeper avec un bonnet de Noël. Bon, c'est assez mal fait, mais j'aime bien quand même. Ça reste dans l'esprit de Noël, hein, ils ont. Alors, faut combien de coups pour les Creepers? Ok. 4. Et j'ai deux poudres. De poudre qui feront des cadeaux de Noël. Des cadeaux de Noël TNT. J'ai vu ça sur un screenshot, c'est assez marrant. Franchement. Je pense qu'on va bien s'amuser. Je me fais une autre pioche, ouais, je me fais une autre pioche. Et puis j'espère ne pas trop miner non plus dans cet épisode. Enfin, dans cette série. Parce que c'est pas le principal. Voilà. Donc j'aurais de quoi me faire 40 pioches. Et c'était 48, le nombre complémentaire. Ok, par où vais-je? Tiens, une mine qui n'attend que moi mais qui est vide. J'ai cru voir du. Franchement, la terre, comme elle est faite, ça me stresse. Y a pas d'autre mot à dire, ça me stresse. Je vais plutôt partir par là-bas. Ouais, par là-bas, ça me semble bien. Une vache, il y a un zombie. Bonjour. J'ai cru qu'il allait enculer la vache d'une force phénoménale. La viande de zombie, ça fait toujours plaisir. Plaisir, ouais, bon, voilà. Ça fait zizir, quoi. Creeper. Oh là là, on est bien chargé en mob, là. Toi, tu crèves. Aïe, il m'a même fait mal, ce con. Aïe, aïe, aïe. Hop, et lui, on le sodomise. Voilà, c'est le cas de le dire, j'ai sodomisé. Qu'est-ce que je fais? Je me prends quand même une bûche de bois. Au cas où dans les mines, j'ai besoin de me crafter quelque chose parce que je vois que les épées en pierre dégraissent très vite. Voilà. Voilà. J'entends une poule, c'est bon signe. Bon, on n'y voit déjà rien du tout. Ok, du charbon. C'est pour ça que je suis venu. Oh non, gravel. Gravel. Je suis pas habitué à cette texture de gravier. Bon, je vous jure, cet épisode, ça va pas être le plus intéressant. Enfin, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, je crois que ça va être quand je vais construire ma cabane, parce que ça va être assez épique. Bon, je vais récupérer ça. Hop, je fais des économies. Oh, d'accord! Un mob spawner, ok. On va vite le neutraliser, hein. Hop, ici. Bah, nickel, on a déjà notre mob... Carotte! Oh, mais vous me gâtez, les gens. J'avais même pas vu que j'avais reçu une carotte, franchement. Épique les mecs, épique. Un CD. Non mais franchement, je vous jure, je n'ai pas touché à la map. J'y suis allé, j'ai mis le seed Noël. Comme ça, je me suis dit, tiens, c'est fun. Noël avec un W. En plus, j'ai de quoi me faire un arc. Bien. Comme ça, je pourrais avoir des patates et des carottes. J'ai déjà la carotte, donc je pourrais faire mes plantations. J'ai entendu dire que les carottes c'était rare. Bah, c'est pas trop le cas en fait. Voilà. Voilà. Je récupère du charbon. Charbon. J'entends des bruits de monstres, mais ils vont patienter, hein, parce que je suis pas d'humeur. Et franchement, lui, on va bien le garder sur soi. Coucou le zombie. Alors, c'est quoi déjà ma touche sneak? Parce que j'ai changé de touche de clavier. Ok, c'est la même touche pour sprinter sur Far Cry. D'accord. Oui, parce que je joue à Far Cry 3. J'ai terminé le jeu. La fin était bien.
Surtout quand on rejoint Citra, donc si jamais vous êtes en train de finir Far Cry 3 ou que vous l'avez eu à Noël, rejoignez Citra. Ça vaut le coup. Peut-être que vous mourrez à la fin, mais rejoignez Citra. Vous ferez des choses peut-être que vous ne ferez jamais dans votre vie. Enfin, moi, ce sera pas le cas parce que j'ai une copine, mais vous ferez des choses que vous ferez jamais dans la vie. Voilà, coucou Etilmos qui regarde cette série aussi. Oula, coucou aux zombies qui viennent me violer violemment. Bon. Toujours pas de fer. Je profite un max. Mince, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Coucou, hop, 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 hop. 4 coups pour te tuer, c'est ce qui est beaucoup. Voilà, on sécurise toujours. C'est quoi qui est. Bon. Ils me font gaspiller des. Est-ce que je tombe ou pas? Est-ce que je tombe ou pas? C'est parallèle, la question, c'est parallèle. Est-ce que je peux poser des blocs? Mais écoutez, j'y vais en mode commando hyper méga truc. Ouh là 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 là. Toi, je te finis. Je ne te veux pas dans ma vie. Donc tu crèves. Bon, franchement, cette mine, elle est bien parce qu'il y a un donjon, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je me comprends quand je dis pas grand-chose, c'est qu'il n'y a pas de fer, il n'y a pas d'or. Voilà, pas les matériaux privilégiés pour moi dans Minecraft. Peut-être aussi que j'ai pas regardé sous mes pieds, mais ça se trouve, il y a du fer juste en dessous de moi. Mais j'aime pas trop chercher sous l'eau. C'est pas captivant, quoi. On va remonter, écoutez, hein. Même si c'est bien dommage, j'aurais bien aimé avoir du fer. Oula. Je reprends mon épée. C'est bon, il a gâché son coup. J'ai même pas pris de dégâts. Oh, de la neige! Ah non, un œuf. Fasse pareil, quoi. Peut-être que je ferai du minage au petit. Oh, un sapin de Noël! Oh, trop bien! Oh, y'a un sapin de Noël! Je le veux! Merde, j'ai cassé mon sapin de Noël. Je suis con. Putain, qu'est-ce que je suis con. Ok, ça, c'est des arbres normaux. Oula, araignée, araignée. Il fait jour, elle m'attaque pas, c'est normal, c'est normal. Je vois qu'il y a de la poudre de cacao, c'est du bonheur total. Je suis vraiment tombé sur un bon seed, rien que le fait de taper Noël, Noël avec un W. J'en suis fier. Allez, qu'est-ce que je fais pour conclure l'épisode? Je vais récupérer des graines. Parce que les graines, ça sert toujours. Toujours, toujours. D'accord, c'était caché, je voyais pas. Et je vais. Prochain épisode, je vais commencer à faire un petit champ. Ah bah tiens, temps écoulé. Avec ma magnifique sonnerie de Lost Wood. Génial. Bon, écoutez, je crois qu'on va se laisser pour le prochain épisode de ma série. Ah mince! Mince, mince, comment je l'appelais déjà? J'ai fait la vignette tout à l'heure, mais je m'en souviens plus. Ah oui, le joyeux Noël de Anthony, l'épisode 2. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter cette vidéo, parce que ça me fait très plaisir. Oh là lol, vous entendez la musique de Zelda, ça fait zizir. Voilà. Donc allez, ciao tout le monde. Passez de bonnes fêtes aussi, hein. Ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bon à dire. Allez, ciao tout le monde.